Vous présente au journal ça, c'est moi-même, Luc Albert Beaubrun. Rapidement, mais quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Dirigeant d'un parti politique engagé pour le développement et dédressé jeudi 15 juin 2023 dans l'hôtel Montana Pétionville, il y a un bilan négatif sous de l'année passage. Dr. Ariel Henry sous pouvoir et puis profiter Bayon compte rendu sous participation à position aidée dans le forum politique qui était organisé pendant 3 jours. Kingston, Jamaïque, sorti 11 pour te arriver dans la date 13 juin 2023, qui était faite sous initiative CARICOM. Ancien sénateur Niplan Nenel Kassi, lui-même qui qualifiait chef gouvernement, qui c'est Dr. Ariel Henry comme moun, cap manger à corps ou à corps en pays, pendant le pape réglé en yes sous pouvoir mission, seulement s'écraser, briser tant coup à corps Montana, pen SDP Nenel Kassi, hein, et la trier, qui donc, quand c'est démocratie qui est en danger, selon ancien parlementaire. Responsable Cour supérieure de compte à contentieux administratif, organisé jeudi 15 juin 2023, yon jeune porte l'ouvri avec l'autre activité encore qui était gagnée. Là-dedans, diverses conférences en débat dans le bureau central Cour supérieure de compte dans la capitale là. Non souci pour informer population en sous-wall avec mission Cour supérieure de compte à contentieux administratif dans série activité pour marquer 200 l'année création Cour supérieure de compte là. Ministre éducation nationale à formation professionnelle Nesmi Maniga annoncé jeudi 15 juin 2023 dans local inspection générale éducation publication calendrier officiel pour année académique 2023-2024 là dans jour cap vini là et puis consolider l'école fondamentale au côté ministère a déjà prend toute disposition pour distribuer à partir mois juin 2023 livres uniques à cahier exercice en créole pour élèves première et deuxième année fondamentale, l'école publique et privée. Comité central regroupement national travailleur haïtien dans éducation Rentred dans tête coulée à collaboration avec réseau national groupe sanguin réside négatif Renaxan eux-mêmes qui organisé jeudi 15 juin 2023 yon jeune collecte dans local ministère éducation nationale qui se route Nazoran dans capitale haïtienne. Équipe Brasserie Nationale là, yo même qui présentait officiellement jeudi 15 juin 2023, qui c'est un nouveau boisson qu'on a introduit sur marché national là. Zami internautes, c'est point ça yo à divers lots qui peuvent faire essentiel 4e sortie journal TAC 509. Restez branchés, n'a tourné pour développement information yo après yon coup de pause. Merci à tous les amis internautes qui ont choisi de brancher la plateforme TAC 509 pour être capable d'informer pour aujourd'hui, jeudi 15 juin 2023, information ça qui est possible grâce à journaliste TAC 509 ensemble avec technicien Lio pour présenter au journal ça, c'est moi-même Luc Albert Beaubrun. Mais journal là en détail. Dirigeant d'un parti politique engagé pour développement et dédressé jeudi 15 juin 2023 dans l'hôtel Montana Pétionville, yon bilan négatif en sous de l'année passage, Dr. Ariel Henry sous pouvoir et puis profiter bah yon compte rendu sous participation à position aidée dans le forum politique qui était organisé pendant 3 jours. Kingston, Jamaïque, sorti 11 pour te arriver dans la date 13 juin 2023 qui était faite sous initiative CARICOM, président conseil stratégique parti politique aidé à Dr. Claude Joseph. Dans l'intervention, voyez jeter toute l'idée qui t'a fait croire parti politique l'a dirigé à Sien. Il y a un document qui visait cohabiter politiquement à pouvoir en place là. Selon lui, qui pas espérer aucune confiance dans le gouvernement ça, pendant le présenter, position parti politique aidé te gagné dans dialogue inter-haïtien qui était organisé dans la capitale pays Jamaïque. En écouté dirigeant parti politique engagé pour développement, n'a parlé de Claude Joseph, cap dit plus, dans micro journaliste, TAC 509. Sommet Kingston dans le pays Jamaïque. Nan souci pour nous arriver jeune ensemble une solution à crise qui a ravagé le pays depuis bien longtemps. Comme nous tous connaissons, depuis 7 juillet 2021, il y a un climat incertitude qui blaye sous l'avenir du pays d'Haïti. Le gouvernement de transition Ariel Henry n'a pas posé aucune action concrète pour créer l'espoir. Au contraire, pendant des années passées sous pouvoir, le gouvernement Ariel là fait toute bagaille pour mettre le pays sous mode feedback. Exemple, en pile, et nous tous connaissons. Dans ce qui a à voir avec la sécurité,
et puis Douamoun. Pendant 2 ans, ça a plus passé 3000 monde perdu la vie en Bazak, assassinat, bandit sans foi ni loi. Dans l'année 2023, sorti janvier pour arriver mars, gagné 531 monde qui perdu la vie en Bazak, assassinat. Et puis seulement pour moi avril là, bien plus passé 600 monde yo assassiné. Sans compter plus passé 2000 monde yo kidnappé. Sans compter viol qu'a fait sous femme actifi dans tout pays. Économiquement, c'est une catastrophe. Mon yo vin 50 fois plus pauvre, 50 fois plus misérable, 50 fois plus vulnérable. Il y a 5 millions de monde qui n'a grand goût, qui pas qu'à manger. Classe moyenne pays a fin crasé. Mon yo a quitté pays a pas pile ak pas paquet. C'est vos pays a fin aller. Politiquement, gouvernement ça a pas exprimé aucune volonté réelle ni fait aucun effort pour résoudre crise là. 2 ans transition ça a, c'est 2 ans dilatoire. Menti ak bluff. Malgré Ariel Henry signé d'accord ak fami zami ak aliel, il pas jamais respecté engagement qui sorti dans accord ça yo. Ariel Henry pas sincère. C'est bilan ça yo qui renforce position dans ça qui vient à ouais avec gouvernance pays. C'est pour ça position aidé dans sommet CARICOM là t'es clair. Dans sommet Kingston là aidé te proposer une nouvelle gouvernance. Cap gagner un agenda social, politique et économique bien défini dans un temps qui raisonnable. Choix un premier ministre en tête un gouvernement consensus. Augmenter capacité opérationnelle police nationale d'Haïti pour établir l'ordre dans tout pays. Chercher bon côté communauté internationale là, un support technique, opérationnel et financier pour un PNH là efficace. Mettez sous pied un conseil électoral provisoire inclusif qui inspire confiance. Organiser un référendum pour une autre constitution, organiser bonne élection dans tout pays. Après des années Ariel passé sous pouvoir avec un bilan social, politique, économique catastrophique comme ça, aider, voyez jeter toute proposition indésirable qui a pour objectif renforcer pouvoir Ariel Henry. Renforcer pouvoir Ariel Henry, c'est renforcer la misère. Renforcer pouvoir Ariel Henry, c'est renforcer l'insécurité. Renforcer pouvoir Ariel Henry, c'est renforcer un système qui chita sous inégalité et injustice sociale. C'est pour ça, aider te décider si yen, ak en pile l'autre acteur représentatif dans la classe politique et la société civile, la, yon proposition pour nous retirer le pays dans la crise liée journée jeudi. Ancien ministre des Affaires étrangères, Dr. Claude Joseph, fait connaître l'objectif bataillon dans le sommet Jamaïque face à la position. C'est une nouvelle gouvernance qui doit gagner dans la tête de l'autre premier ministre qui se positionne tous divers partis politiques qui te prennent initiative si un document ça, l'idée engagée pour développement, Dr. Joseph dit volonté. Dirigeant primati républicain, Dr. Ariel Henry, c'est qu'un bel pouvoir en nos côtés responsable parti politique et d'ailleurs Dr. Claude Joseph pour plus de détails dans micro journaliste TAC 509. Malgré le bilan catastrophique qui n'a actif gouvernement transition ça, seule volonté Ariel Henry, c'est qu'un bel pouvoir. Après des années, pas un monde qui a dit qui date pays a organisé élection. Même monde qui avec, ouais. Même monde qui soude. Attendez, tout le monde comprend. Projet Ariel là, c'est un projet malhonnête. Projet Ariel là, c'est un projet anti-démocratique. C'est pour ça et fait un appel à toute force démocratique pays pour nous mettre ensemble pour nous barrer projet ça. C'est surtout dans bon gens mobilisation pacifique n'a arrivé abouti à objectif ça. Aider à continuer faire bon gens consultation avec un pilote secteur pour changer la situation de la population. Position aidée dans le sommet Jamaïque là, clair. Après bilan catastrophique, Ariel Henry sur plan social, politique et économique, aider quoi nouvelle gouvernance intérimaire doit gagner en tête li yon l'autre premier ministre. Et c'est ça, signataire, document, conjoint ça, qui gagne
un ensemble de partis politiques très représentatifs, acteurs, organisations, société civile là, si bien. Je dis un premier ministre qui doit en tête gouvernement consensus là. Je ne dis pas le premier ministre. Et c'était bataille, pas nous, dans le sommaire. Parce que renforcer le pouvoir Ariel Henry, c'est renforcer l'insécurité que des journalistes importants dans le pays à victimes. C'est renforcer la misère, c'est renforcer un projet malhonnête, c'est renforcer un projet antidémocratique parce que nous connaissons seule volonté Ariel Henry, Zamil, ak Aliel, c'est rester sous pouvoir, kembe pouvoir et poko et pas jamais organiser élection. Contrairement à ça, en pile monde pensait, l'initiative CARICOM là, n'est pas fini sur une mauvaise note. L'initiative Jamaïque là, elle finit sur une note côté de acteurs politiques, de partis politiques qui parlent obligatoirement entendu, mais si y a une déclaration conjointe. Évidemment, il n'est pas imposable à tout l'autre parti, mais déclaration ça, elle demande un lot. Premier ministre dans tel pays, on l'autre gouvernement qui reflète force sociale et politique, y ont conseil électoral provisoire, réforme nécessaire de monde qui est capable, qui est dynamique et qui intègre dans tel pays. Donc, moi, je crois que nous sortons avec un bagaille, qu'on y a ces partis politiques signataires et organisations société civile qui vous mettent ensemble pour travailler, pour faire que nous respectons. Ça qui sien Jamaïque entre acteurs qui pire représentatifs dans société a dans classe politique la société civile là. Voilà, c'était déclaration dirigeant parti politique engagé pour développement Dr Claude Joseph. Militant politique Fernando Duclair lui-même tout lui dresser un bilan jeudi 15 juin 2023, qui c'est un bilan négatif pour 2 ans, Dr. Ariel Henry sous pouvoir, qui pas réglé en rien concret pour pays d'Haïti, que seulement accouché accord sous accord, qui qualifiait tête li comme un taureau gondé d'après Fernando Duclair, qui fait qu'on est pendant passage en neurochirurgien en tête primati république là, il y a déjà compté 3000 cadavres, 3000 moun assassinés dans pays a, et puis gagné 131 moun qui fait voile pour pays sans chapeau sorti mois janvier pour arriver mois mars qui saute passé là selon dernier rapport qui sorti dans organisation droit moun yo. On écoute militant politique Fernando Duclair pour plus de détails. Moi-même, ensemble avec nous, nous faisons constat. Nous constatons que dans quelques jours, Ariel va gagner 2 ans au pouvoir, n'est-ce pas? Et bilan Ariel là, son bilan désastreux, son bilan négatif, son bilan qui est nul. Ariel Henry était venu à accord 11 septembre. Et accord 11 septembre, ça, il était un ensemble de revendications. Il était une revendication pour le peuple à la donne. Il était une justice pour la Saligno. Il était une justice pour le Bel Air. Il était une justice pour le Cafoufeu. Il était demandé pour commencer le procès pour le Caribéa. Mais comme Ariel Henry sont démagogues, comme les gens font démagogie, ils crasent à cause ça. Et puis ils continuent à rouler. Ariel Henry pour ajouter notre accord, 21 décembre. À quoi ça parle accoucher à CT. Et à quoi ça crase encore. Parce que Ariel sont démagogues. Ils croient en démagogie. Et récemment, nous connaissons que sous l'obédience CARICOM, il y a élite, il y a quelques monde qui sont leaders politiques, une élite politique là, qui partent aller Jamaïque. Et là encore, Ariel a montré que le pas qu'on a dialogue, il plus qu'on a dilatoire. Ariel a montré que son taux grondé, ils sont matador superbe, il pas d'aucun monde notre bois. Il pas quoi dans dialogue, il qu'on a dilatoire. Et si on a porté un bilan Ariel. Bilan pendant 2 ans Ariel yo, c'est grave. Nous parler dans terme de chiffres. Pendant Ariel parler 2 ans, 3000 cadavres, 3000 monde assassinés dans pays ça. 3000. Et dernier rapport a dit de janvier à mars, nous gagnent 131 monde qui mourit, tué. Pour mois d'avril là, c'est 600 monde. Et yon dans l'institution qui puisse souffrir dans ça, c'est la police. La police souffre dans ça. De juin 2022 à juin 2023, nous avons 58 policiers qui mourent. De juin 2022, de janvier 2022 à juin 2023, nous avons 29 policiers qui sont morts là. Et je ne vais pas parler de l'inflation. 48,3% inflation mourir là. Bagay yo red, moun yo grand goût. Tout produit pour nécessité monter. En plus de ça, si nous parlons de monde qui grand goût dans le pays, nous avons 4,9 millions de monde qui n'ont pas qu'à manger dans le pays d'Haïti. Voilà le bilan de Ariel Henry. Mais ça le fait dans le pays, mais bilan. Pendant 2 ans,
li pa même ka mouton CEP, m pa besoin pa monter C dans CEPA. Mais bilan, et li vle continuer kembe pouvoir, kembe pays a sans perspective, sans alternative. C'est ça Ariel Henry a fait là simplement. Et m pense que dans moment ça nous va lancer des séries de appels. Nous allons lancer appel avec classe politique là. Nous allons lancer appel ça au nom de la jeunesse de ce pays. Nous avons dit que nous avons une classe politique. Puis font un dépassement de soi. Haïti n'est pas la première république noire dans le monde là. Nous n'avons pas la deuxième pays qui est indépendant en Amérique là. Nous n'avons pas aidé un paquet de pays dans l'Amérique du Nord, Amérique latine, même en Europe, ni des pays qui ont bataille pour l'indépendance pour la prendre là. Et appel ça les lancer au nom de la dignité. Au nom de la fierté de la race noire, nous dit politiciens, nous font des bassements de soi. Pas faire pour eux. Faire pour génération qui va venir. Faire pour petit. Faire pour petit, petit. Pas quitter le pays pour lui. Et nous supplier pour faire des bassements de soi. La classe politique de ce pays. Voilà, vous avez écouté militant politique Fernando Duclerc à travers bilan l'idressé jeudi 15 juin 2023. Ancien sénateur Niplan Nenel Kassi, Soubopal, qualifié chef gouvernement, qui c'est Dr. Ariel Henry comme moun, cap manger à quoi soit quoi, nan pays a pendant le pape réglé en yes sous pouvoir, mission seulement s'écraser, briser, takou à quoi, Montana, Pen, SDP Nenel la, il a trié, qui donc, c'est démocratie qui est en danger d'après ancien parlementaire qui dit, gen trois projets nan pays a cap développé sous yon base, aucun moun, pas qu'on est dans ce sens, l'imande pour tout acteur conséquent, yo assumer responsabilité, yo pour retirer pays à dans sa lié, je ne jodia. Ancien sénateur Niplan Nenel Kassi, Abdi Plus, dans la micro-journaliste, en TAC 509. Ma lance un message de façon spéciale by communauté internationale, là, by des acteurs en d'un pays, là, gouvernement de facto à tout, qui mettait aux machines répression politique, particulièrement sur nous-mêmes, qui c'est fausse bataille. Ils ont attaqué sous toute forme. Côté, ils n'ont pas capable d'atteindre de façon individuelle chaque grand militant, ils ont fait la guerre dans la zone sale. La guerre dans le quartier populaire. Côté qui bastion nous. Il fait massacre là-dedans. Moi-même qui l'âme son témoignage pour tout le monde qui a bataillé dans le pays. Nèg yo attaqué sous toute forme. Yo mélangé avec colon en dans le pays avec colon de yoy. Yo associé à toute démagogie. Mais ça a rentré dans le plan de dénigrement qu'a fait là. Mais je dis, à terme d'un pays, il est le temps pour nous comprendre ce qui a passé là. Il y a trois projets en d'un pays. Un projet, nous-mêmes qui là, qui c'est des véritables haïtiens authentiques, qui voulaient payer une sortie dans ce lieu là. Et il y a un projet de facto, équipe qui est au pouvoir, pour détruire le pays. Et il y a un autre projet qui est blanc, caché, que personne ne connaît. Ni nous-mêmes ne connaissons pas, ni l'équipe de facto ne connaît pas. Et chaque fois, on revient avec une série de mesures pour courir. Moi, j'ai des leaders, j'ai des acteurs qui ont fait silence, qui ont caché le paix pour le Canada pour prendre mesures contre eux. Ou parler après mesures contre eux. Ou pas parler après mesures contre eux. Pour une responsabilité dans le pays. On a souhaité comprendre ce qui a passé là. Effectivement, Fernando se parlait de deux ans d'échec. Deux ans de chaos. Deux ans de catastrophe. Dans tout domaine, social, sécurité, économie, etc. Deux ans ça, Ariel tourné on mangeait d'accord, la mangeait accord, les mangeait accord 11 septembre, les mangeait accord 21 décembre, les topillé Montana parce que la cherché moun nan Montana pour craser Montana. L'écrasé Kadora, l'écrasé de Kadou SDP, de façon pâle, l'écrasé Pen, et l'écrasé en pile l'autre toujours. L'acheter
en pile moun ki t'a goumé dans camp peuple là li mette démocratie a en danger. Dernier coup pour tuer Koukoua, Jamaïque est passé tout le monde en tête. Nous ka comprendre ça qui a passé là. Jodia, Ariel, Amizel, l'a fait dilatoire. L'a fait dilatoire. Pendant dilatoire fait, joie passé. Quand il a parlé là, deux ans qu'il a passé, pays écrasé. Écrasé totalement. Policier pas qu'à toucher. Pendant qu'il a fait un travail colossal. Professeur pas qu'à toucher. Pendant qu'il revendication, yo, pas qu'à satisfaire. Par exemple, professeur a revendiqué tout le monde pour gagner un cadre de débit. Il n'y a pas jamais de professeur. Et nous disons, n'a pas accompagné le professeur dans la bataille. N'a pas accompagné le policier dans la bataille. Ouvrier, il n'y a pas jamais d'augmentation. Chaque fois que nous avons un coup de la vie augmenté, c'est manifestation qui nous fait. N'a pas accompagné. Paysan, il n'y a pas jamais d'encadrement. Pour relancer la production nationale. Là. Deux ans, pas de un groupe qui investit. Dans la section. Jeunesse là. Il y a parti, il a quitté le pays. Ça n'a pas parti. Mais ça n'a pas parti. Il n'y a pas qu'à même travail. Il y a mouru grand bout. Il y a une situation difficile. De l'autre côté, ancien membre secteur démocratique et populaire, Nenel Kassi, dit qu'il y a une équipe qui pral dans l'élection. Lui-même tout l'a participé comme sa droit et lui dit confiant l'a capable de gagner l'élection dans tout niveau si toutefois l'État organisé dans le pays. Ancien sénateur Soubani Lavalasla dit équipe qui l'a déjà fait preuve, lui a continué à organiser même pratique à travers combat et qu'on mené sous territoire pendant l'annoncé lancement officiel yon mouvement politique dans date 21-22 d'août 2023 cap vini là côté li mandé pour toute petite conséquent pays à travers tout 10 départements géographiques là pour mettre tête ensemble pour bay pays à yon l'autre direction. Ancien sénateur Niplan Nenel Kassi pour plus détails. Équipe politique ça qui là qui fait preuve dans bataille démocratique, elle a respecté les valeurs républicaines parce que nous mêmes bataille nous toujours inscrit dans cadre démocratique qui va nous droit avec aussi des bagages. Manifestation pacifique, sitting, dénonciation, liberté pour une vie en commun, c'est ça que nous défendons. En maintenant, sans ça, nous-mêmes, nous continuons à organiser. Et m'a dit la presse, nous avons une bonne nouvelle. Définitivement, après nos films qu'on est qui est SDP écrasé, actuellement, tout le bagage était en branle pour 21-22 août 2023 pour un lancement officiel outils politique, mouvement politique peuple, et qui tire naissance dans une grande famille politiquement. Pendant qu'il a demandé pour nous tous nous mettre ensemble, pour nous prendre responsabilité, ensemble avec la jeunesse, pour nous commencer le travail depuis la section communale, passer dans la commune au département, pour nous construire une véritable alternative pour sortir le pays dans sa vie là. Et pendant que nous grande famille politique là tout, pour nous concerter. Parce que nous-mêmes qui là, nous n'avons pas un plan égoïste. Nous n'avons pas un plan individuel. Nous avons un plan collectif. Parce que nous avons gagné l'élection, l'équipe conditions réunies pour un accord solide. Nous avons gagné l'élection de ASEC jusqu'à président. Et pas sénateur Kassi pour le candidat pour ASEC, pour ASEC, pour magistrat, pour député. Pour sénateur, pour président, il va seulement moi-même. Ça veut dire, nous avons une équipe qui va dans l'élection. Nous avons une élection qui ne doit pas aller tout. Mais depuis l'équipe, moi dans l'élection, moi dans l'élection. Nous avons gagné l'élection. Nous montrer ça, nous avons fait sous pays. Et c'est ça, nous avons montré que la politique, là, c'est avec intelligence qu'il fait, qu'il va faire la violence. Et ça fait toujours refuser pour une route de violence. Nous disons, nous avons une route de construction. Route démocratique là, et là nous prenons le prendre. Nous prenons la caille sur le terrain. Et c'est peut-être ça nous dit, Ariel, vous faites deux ans, vous avez un bilan catastrophique, vous crasez un pays, vous ne produisez rien, vous ne arrivez pas avec un accord politique, vous ne pouvez pas faire élection, chaque jour dit élection, et pas de personne qui fait confiance, vous ne pas faire crédit, et vous ne pouvez pas faire équilibre dans la tête du pouvoir, c'est vrai nous-mêmes. Nous disons pas entrer dans aucun gouvernement avec Ariel. Ça,
quel qu'en soit blanc sous la terre, il n'y a pas qu'à faire entrer dans le gouvernement avec Ariel. Mais nous prenons l'élection de les conditions réunies. Nous prenons l'élection pour nous gagner et pour nous travailler avec des partenaires national et international pour nous sortir du pays dans sa vie là. C'était déclaration ancien sénateur Niplan Nenel Kassi, l'autre information dans le journal là. Responsable Cour supérieure contre contentieux administratif yo organisé jeudi 15 juin 2023, yon journée porte l'ouvri ak l'autre activité qui te gain diverses conférences en débat dans bureau central Cour supérieure contre dans capitale là dans souci pour informer population en sur la mission Cour supérieure des comptes contentieux administratif en série activité sa yo fait pour marquer 200 l'année création Cour supérieure des comptes là. Dans occasion plusieurs étudiants ont visité espace Silas avec service qui a fonctionné yo greffier en chef Cour supérieure des comptes là Élisée Payen profiter expliquer visiteurs yo procédé pour saisir administration publique ça qui c'est Cour supérieure des comptes à contentieux administratif là si tout les gagnons dossier administratif. En côté greffier en chef Cour supérieure des comptes à contentieux administratif yo Élisée Payen pour plus de détails dans micro journaliste en taxe 509. Justificatif les pièces additionnelles. Ici, il y a les bureaux des greffiers. Toutes ces portes, on a les bureaux des greffiers et ensuite on a l'espace réservé aux secrétaires. Les secrétaires qui préparent les correspondances qui sont destinées aux concernés, aux audités et aux recourants. Bon, le greffe se compose de greffiers, d'huissiers, de documentalistes, de secrétaires et de messagers. Donc voilà en gros une certaine explication concernant l'aménagement de l'espace physique du greffe. Il y a aussi les classeurs où sont logés les dossiers du greffe. Maintenant, nous allons au tribunal pour pouvoir nous entretenir avec les visiteurs. À un certain moment, vous pouvez être l'un des avocats qui défend une personne qui a un dossier par devant la cour. Comment saisir la cour? En matière administrative, on peut saisir la cour de deux manières. Soit par un mémoire qu'on vient de déposer, donc c'est le plaignant qui le fait lui-même, le mémoire, ou une requête signée d'un avocat. Je vais vous montrer une requête et un mémoire. Vous allez voir la différence. Et ensuite, lorsque la requête ou mémoire est déposée à la cour, eh bien, on va vous donner un accusé de réception et donner un numéro au dossier. Maintenant, le dossier, une fois qu'on le reçoit ici, eh bien, le plaignant ou l'avocat devra, dans les 15 jours qui suivent, signifier cette requête ou mémoire à l'autre partie. Par exemple, tout à l'heure, j'avais pris l'exemple pour vous qui travaillez, par exemple, au ministère de la Jeunesse et des Sports. Eh bien, si vous travaillez au ministère de la Jeunesse et des Sports et que vous avez été victime d'une décision que vous jugez abusive et illégale, eh bien, une fois que vous intentez une action contre ce ministère, vous devez porter à leur connaissance cette action. De même, lorsque vous avez un différend avec quelqu'un, maintenant on ne peut pas résoudre un différend avec quelqu'un sans qu'il ne soit au courant. Vous comprenez? Maintenant, lorsque la requête est signifiée au ministère, elle doit être signifiée non seulement au ministère, mais elle doit être aussi signifiée à la DG qui représente l'État ici en justice. Et maintenant, la DG dispose d'un délai de 15 jours pour ses conclusions responsables. Une fois les conclusions reçues au greffe, et bien maintenant, qu'est-ce que nous faisons au greffe? Au greffe, on fait une copie du dossier avec les conclusions de l'État haïtien et la requête, et on l'envoie à la présidence pour désigner un auditeur qui joue le rôle de parquetier et un juge instructeur. L'auditeur prépare son réquisitoire et le juge instructeur prépare une ordonnance. Une fois que l'ordonnance et le réquisitoire de l'auditeur sont dans le dossier, maintenant le dossier est en état de recevoir le jugement. Qu'est-ce qu'on fait au greffe? On fait une copie de ce dossier avec tous les rapports et toutes les autres pièces. Maintenant, on la voit à la résidence pour la désignation d'un collège de jugement. Maintenant, une fois le collège désigné, le greffe prépare les correspondances à acheminer aux différentes parties au procès. Maintenant, à ce moment, le ministère de la Justice, le ministère de la Jeunesse et des Sports sera invité, la DGI sera invité parce que la DGI représente l'État et sa justice. Et ensuite, le plaignant ou son avocat sera invité parce que donc, ils devront être à la barre. Maintenant, le jour de l'audience,
le jour de l'audience, toutes les parties sont prises dans le tribunal, je vous l'avais dit, les juges, greffiers, huissiers, auditeurs, avocats de l'État haïtien, recourant, le recourant et ses avocats. Maintenant, une fois au tribunal, on va tenir l'audience. Les pièces seront là. Vous devez comprendre que la procédure, c'est une procédure inquisitoire, contradictoire, écrite et secrète. Puisque la procédure est essentiellement écrite, les parties sont à l'audience pour faire valoir leur point de vue. Et ce, de manière brève. Il n'y a pas trop de débat. Parce que les moyens sont déjà développés dans le mémoire ou bien dans la requête. Les moyens de l'État ici sont déjà contenus dans ses conclusions responsives. Les moyens évoqués par l'auditeur sont déjà dans son réquisitoire. Et maintenant, une fois toutes les pièces lues, la parole est accordée à l'auditorat pour la lecture de son réquisitoire. La parole est accordée à l'État ici pour la lecture de ses conclusions. Ainsi de suite. Mais la pièce qui est lue avant tout, c'est le mémoire ou la requête. Et ensuite, lorsque toutes les pièces ont été lues et que les parties ont développé oralement leurs moyens, maintenant, les juges peuvent décider sur le siège. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, séance tenante, les juges peuvent décider de dire le mot du doigt. Donc, la décision peut confirmer la décision du ministère, la décision de l'avocat peut infirmer, c'est-à-dire une décision contraire, pour dire que la décision effectivement a été illégale et arbitraire, elle peut aussi la réformer. C'est des déclarations Élisée Payen qui s'est greffier en chef dans la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. Dans la même occasion, jeudi, un responsable dans la Cour supérieure des comptes a organisé une conférence en débat sous thème réduction des comptes et l'antiquité. Professeur Daniel Supplice, qui était principal intervenant dans le moment, pour des explications par les participants, histoire réduction du compte dans la période antiquité pour arriver dans le temps moderne. Professeur Daniel Supplice, c'était intervenant dans le cadre de la conférence débat Abdi Plus. Il y a deux mots qui sont importants dans mon exposé. On parle de antiquité et le mot compte. Le mot compte est un substantif du verbe compter. Le mot compte est situé d'un verbe latin computare qui signifie simplement faire des calculs avec des chiffres. Se référer à des unités de valeur au sens de dénombrer. Ou plus intellectuellement, égaliser des sommes des montants de même valeur pour assurer une transaction. C'est très important pour les monsieur compte. Est-ce qu'on a espoir à bon? L'avez-vous déjà questionné? C'est quoi les comptes? Et est-ce que vous vous êtes rendu compte que de ce mot compte, computare, du latin, il y a computer? Oui, vous avez questionné ce que c'est, il y a computer, il y a comptable, il y a comptabilité. Autant de mots qui dérivent de ce verbe latin computare et qui a rapport aux chiffres. Le deuxième mot important dans l'énoncé de mon exposé, c'est antiquité. Lui aussi, étymologiquement, est un terme latin, antiquus qui veut dire antérieur, ancien. C'est une période qui couvre la découverte de l'écriture et qui se situe aussi dans trois zones géographiques. L'Europe, l'Asie occidentale et l'Afrique du Nord. Vous êtes en droit de questionner pourquoi. Pourquoi, quand on parle d'antiquité, on ne parle seulement de l'Inde, la Pays-Bas dans l'antiquité, et l'Amérique n'est pas dans l'antiquité. Je viens de mentionner que l'antiquité, c'est une période qui couvre à partir de la découverte de l'écriture. Maintenant, vous êtes tous en droit de questionner pourquoi. Que veut faire l'écriture? Pourquoi je commence à m'exposer à parler de l'écriture? Mais mon intervenu sur le ministre, voilà que je commence à m'exposer sur l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture a fait? Pourquoi quand l'exposé sur la ministre, l'écriture a fait aussi cette évolution? Sauf que, il n'y aurait pas de ministre sans l'écriture. Il y a 6000 ans, de manière simultanée, c'était tout un débat au début, à savoir, l'écriture a pris naissance où? On a découvert, d'abord on parlait de 5000 ans, on a découvert par la suite que l'écriture, les distances de l'écriture remontent à 6000 ans. Et c'est une découverte, c'est une invention simultanée qui a eu lieu en même temps, en Mésopotamie et en Égypte. L'invention de l'écriture, la définition de l'écriture, cette représentation de la pensée par des signes graphiques, c'est ça l'écriture. L'écriture, c'est la transmission de la pensée par des signes graphiques conventionnels, ou la plupart arbitraires, mais qui servent à traduire et à expliquer
des quantités différentes. Donc c'est la découverte de l'écriture qui a amené l'existence des chiffres. Si on parle de points plus tard, il veut dire calcul de compter, donc on parle de chiffres. Donc il n'y aurait pas de chiffres sans la découverte de l'écriture. Mais c'est quoi un chiffre? Le chiffre, c'est un signe d'écriture utilisé seul ou en combinaison pour représenter des nombres. Donc c'est très important. Donc l'écriture est quelque chose d'important. Sans écriture, il n'y aurait pas de chiffres. Sans chiffres, il n'y aurait pas de nombres. Le système décimal que nous utilisons, le 0R9, a été créé en Inde, introduit en Bagdad, 9 siècles avant Jésus-Christ, par un mathématicien arabe, il s'appelait Al-Kawizi. Il a diffusé, quand je parle des arabes, tu as inventé le chiffre, je les indiens, c'est un arabe, qui a appris ce chiffre, il a diffusé. Et les Romains se sont emparés, et eux aussi ont créé leur façon de faire les chiffres. Comme vous savez, nous utilisons le système décimal, où il y a les chiffres du 0 à 9. Les Romains, eux, utilisent pour leurs chiffres des lettres. Donc, l'apparition de l'écriture ne fait pas rentrer l'homme dans l'histoire parce que ce dernier a seulement la capacité de documenter les événements. Très souvent, quand on parle d'écriture, on fait appel à l'écriture nous a permis de savoir ce qui s'est passé. L'écriture nous a permis de savoir les grandes aventures, les grandes conquêtes. L'écriture nous a permis de savoir, de transmettre la pensée, la réflexion, de savoir la trace des événements, la trace des aventures. On peut connaître ce qui s'est passé dans le pays, on peut connaître ce qui s'est passé dans le monde à partir de l'écriture, puisque avec un peu ça, la découverte de l'imprimerie, il y a une diffusion du savoir qui a pu se faire par l'écriture. Mais l'écriture a aussi permis de pouvoir comprendre la gestion des échanges commerciaux, mais aussi de permettre une division de compte. Avec le sens de calcul d'une quantité, le mot compte est directement associé à l'essence de la comptabilité qui se résumait au début à la simple tenue de registre. Dans au musée du Louvre, il y a une collection extrêmement intéressante de documents qui datent de 3300 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes établis de la régime. Voilà, c'était l'intervention professeur Daniel Supplice dans le cadre de la conférence débat SILA. Dossier justice, ancien premier ministre Dr. Claude Joseph dit li important pour la justice haïtienne. Tande tout monde qui était proche pouvoir, Jovenel Moïse là, même Jean ak li même qui mettait la disposition la justice. Sitou ak Sila qui était assassiné caractère ancien chef l'état nation haïtienne nan, droit disponible pour la justice. Pendant dit considérer question justice pour ancien président comme un préalable à tout dialogue, toute discussion politique et puis renforcer demande qui c'est un tribunal spécial international pour capable aider yo sous dossier ça pour Jovenel Moïse à famille capable joindre justice. Numéro 1 EDA Dr Claude Joseph. Tout le monde qui voit déclaration, c'est seul parti politique qui mettait accent sous question justice pour Jovenel Moïse. Nous considérer question justice pour président Jovenel Moïse là comme un préalable à tout dialogue, toute discussion politique. Nous renforcer position nous qui c'est demande d'un tribunal spécial international pour capable aider nous dans question ça parce que évidemment crime là il y a une dimension transnationale donc ça est fondamental. C'est vrai que aider lui-même nous croit faut que c'est un autre premier ministre dans tête un gouvernement de consensus. Cependant dans une discussion qui gagne plusieurs acteurs société civile là, à classe politique là, nous faisons des concessions dans la négociation hein, pour nous accepter un gouvernement qui réponde à ce que sa constitution dit. Ça veut dire un pouvoir exécutif bicéphale. Et ça, aspect justice pour Jovenel Moïse est fondamental. Donc, il y a le collège là, les gagnants ont attribution présidentielle. Donc, implémentation, organiser l'équal dépend de discussion avec l'autre acteur qui s'y est. Et l'autre acteur qui vient pour le signer document conjoint ça que nous signons dans le pays de Jamaïque. Moi, quoi, il est extrêmement important pour entendre tout le monde. Des mondes qui étaient proches du président Jovenel Moïse, même Jacques moi-même, qui toujours mettait à la disposition de la justice. Et monde qui t'a fait en pile temps à assassiner caractère président jusqu'à ce que il assassine le physiquement. Et monde même qui participait dans le crime là en façon ou bien une autre. Donc, moi, je pense que si on part dans la bonne direction, c'est ça que nous toujours mettons disponible pour tout juge qui sous Kassam, qui moun, qui était impliqué ensemble avec lui. Donc, moi, je souhaitais que
la justice haïtienne lui-même il a continué à faire travailler. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a deux juridictions sur le dossier ça. Donc, pas de monde qui est capable de manipuler la justice haïtienne parce que la justice américaine, effectivement, a même tout saisi de dossier. Donc, pas de aucun monde qui est capable de mentir ou bien de gokob pour casser fait pour ça. Voilà, c'était déclaration numéro 1. Parti politique EDA, Dr. Claude Joseph. Dossier éducation dans le journal la ministre éducation nationale la formation professionnelle Nesmi Maniga annoncé jeudi 15 juin 2023 dans le local inspection générale éducation publication calendrier officiel pour année académique 2023-2024 là dans jour cap vini là et puis consolider l'école fondamentale au côté ministère a déjà prend toute disposition pour distribuer à partir de juin 2023 livres uniques à cahier exercice en créole pour élèves première à deuxième année fondamentale l'école publique coup privé yo. Ministre éducation nationale à formation professionnelle Nesmi Maniga pour plus de détails dans micro journaliste TAC 509. Puisque nous avons fait virage ça, nous voulons mettre des outils dans mes professeurs, dans mes enseignants, mais dans mes élèves tout avec parents. Dans ce qui concerne l'année l'école 2023-2024, le ministère a déjà annoncé à tout parent que yo pas obligé acheter livre pour première année deuxième année parce que tout directeur l'école publique et privée paysan ministère a annoncé officiellement que à partir mois juin ça l'a commencé distribuer livre unique en créole pour premier avec deuxième année l'école et que yo met déjà metté ça dans liste que a promettre Timounio parce que avec l'ISA livre là gagne tout contenu obligatoire Timounio doit apprendre et gon cahier exercice tout qui donc nous paraît pour nous commencer faire on l'école qui chita sous culture locale on l'école qui basé sur la science et qui permette que lui répondre à mission que société a bali et de transformer le pays. L'État haïtien a distribué à Nessa environ 1 million livres uniques en créole avec cahier exercice pour toute l'école publique privée première avec deuxième année fondamentale. Livre disponible déjà. Logistique a commencé à partir du mois juin pour distribution. Qui donc, aucun parent n'a aucune obligation acheter un livre en plus depuis le gagné livre Sayo. Parce que livre ça li gagne tout programme que ministère officiellement dit que ti moun nan doit apprendre dans 2 années ça yo m'a reprendre ni mathématiques sciences sociales sciences expérimentales français créole tout là déjà et c'est dans sens ça nous déjà dit directeur yo et nous averti parents yo que ministère paré bonheur année ça et l'État a distribué livre ça tout partout dans le pays. Gratis. Ministère éducation nationale, dans sport qui pral sorti dans prochain jour, pral annoncer exactement qui gens ça fait dans chaque commune, dans chaque point côté distribution pral faire. Ministère a déjà annoncé dit tout directeur l'école, tout parent, ministère gain 1 million livres à cahier que pral distribuer à partir mois juin. Ça veut dire que tout le monde au courant. Aucun l'école pas qu'à obliger un parent à acheter plus que ça l'État pral bali parce que nous dit tout ça qui est obligatoire comme compétence pour ti moun connaît il dans livre que ministère a promettre. Ministère pral annoncer très bientôt avant l'école la fini dans mois juin on joue un gros chita parler qui pral fait avec toute direction l'école yo côté a invité conseil l'école yo pour que nous capables d'expliquer toute décision ministère pour le prendre à partir de calendrier année l'école 2023-2024 là, mais pour annoncer toute l'autre mesure que ministère prend qui vient pour avec curriculum, qui vient pour avec n'importe quel autre sujet qui concernait la vie scolaire. Ministre éducation nationale à formation professionnelle Nesmi Maniga dit déjà commencé travail sur calendrier officiel année académique 2023-2024 là côté gagné 10 matières cap obligatoire pour nouvelle année gagné quelques matières qui étaient sous 200 cap vin sous 300 tant coup créole sciences sociales pour nous dire ça yo seulement d'après ministre éducation nationale à formation professionnelle Nesmi Maniga qui prévoit consolider l'école fondamentale yo
Nesmi Maniga a dit plus dans micro Josué Belamon. Dans jour qui venir là yo, ministère pour publier calendrier officiel année l'école 2023-2024. Et il y a plusieurs décisions qu'a prend par rapport à année qui vient là. Dans yo, c'est consolidation l'école fondamentale 9 années. Côté que ministère, il prend décision pour que curriculum l'école fondamentale là respecté de manière intégrale et que toute matière, toute compétence qu'un jeune haïtien doit développer, eh bien, il joigne tout coup, toute matière, toute discipline qui déjà prévoit dans le curriculum nan, qui permet que lui développer tout potentiel li et tout capital humain que pays a doit gagner pour que économie un pays a développé, culture pays a développé et dans sens ça ministère li prend une décision, li énuméré tous les 10 matières qui pral obligatoire dans examen 9e année fondamentale à partir année 2023-2024. M'a énuméré là. Gen matières traditionnelles qui étaient déjà là déjà que ministère a confirmé, tant que mathématiques qui 300 points. Créole a bien changement parce que au lieu de 200 points qui étaient comptabilisés pour examen 9e année, à partir de l'année prochaine, créole a passé de 200 points à 300 points. Même genre que français. Anglais, 200 points. Espagnol, 200 points. Ça va pas changer. Sciences sociales, l'a bien 100 points en plus. Au lieu de 200 points, l'a monté à 300 points. Son pays qui a un gros déficit de citoyenneté, et l'un en pile monde toujours pas d'éducation civique, éducation à la citoyenneté, eh bien, il y a une dans matière qui est les sciences sociales là. Donc, c'est pour ça, il est très important pour que nous augmentions les coefficients. Même bagaille pour sciences expérimentales, son pays qui besoin de développer la science, et c'est pour ça qu'il a passé de 200 points à 300 points. Il y a trois disciplines que plusieurs écoles toujours font, mais qui pas nécessairement compté. Plusieurs écoles qu'on déjà mettait dans le programme d'étudiants, mais ministère pas nécessairement au niveau examen officiel toujours comptabilisé. Nous voulons qu'il y ait plus d'efforts qui fait sous ça. C'est pour ça éducation artistique esthétique a compté à partir de l'année 2023-2024 pour 200 points. Éducation physique et sportive qui est très important, pas seulement pour effort physique là, pas seulement pour question sport physique là seulement, c'est apprendre à jouer ensemble, apprendre à réussir ensemble, souci pour nous faire travail collaboratif. Que éducation physique et sportive là gagne dans tout l'a compté pour 200 points et initiation à la technologie et aux activités productives étape l'a compté pour 200 points. Trois dernières matières ça yo avant dans programme là même le pas de comptabiliser yo était sous 100 points mais ministère a décidé augmenter coefficient à 200 points. Mais ça pas prêter là. Ministère encourager en pile toute l'école commencer depuis la troisième année fondamentale avec enseignement langue internationale qui est dans la région, anglais avec espagnol. Et même gentou, puisque le ministère fait promotion, on l'école qui est basée sous créole, mais qui permet que nous allions plus vite, plus bien, sous toute l'autre langue, deuxième langue pays, qui est langue officielle, qui c'est français, avec l'autre langue qui est parlée dans la région, qui c'est anglais avec espagnol, qui donc, dans le changement qu'a fait ton examen à partir de l'année prochaine, dans sa gain pour avec deux langues officielles yo et les vieux gain choix puis composé ou bien créole ou bien en français. Décision ça a pral mandé que ministère garde tout programme étude. Direction curriculum qualité, il pral gagner avec toute l'autre direction technique ministère puis capable analyser qui j'ai ou pral répartir chaque jour qui nomme deux qui pral enseigner par semaine pour différentes matières ça yo selon classe. Yo l'autre côté ministre Nesmi Maniga qui t'a réagi sous dossier grève enseignant yo fait connait ministère a reconnaître condition travail enseignant yo difficile en pile c'est peut-être ça li prend engagement pour continuer faire plaidoyer pour joindre moyens financiers pour soulager enseignant yo li te tout profiter exprimer préoccupation sous la trier local qui loge ministère li fait connait c'est un héritage dirigeant passé yo qui était pour libre li même promettre pour travail pour ministère gagner local inekli Nesmi Maniga c'est ministre éducation nationale l'a dit plus dans micro Josué Belamon ministère éducation nationale pour l'état très sensible à condition travail enseignant et nous-mêmes
nous toujours continuer tout plaidoyer pour aller chercher plus de ressources que le national, que l'international, pour que le travail là fait plus bien et que l'enseignant les motive dans le cadre de travail. Année ça, c'est une année difficile. Nous avons assisté à différentes demandes que le ministère transmet. Naturellement, nous sommes là. Nous suivons 400% augmentation salaire. Le ministère n'a pas jamais dit ni oui ni non. Ça ne fait c'est que tout ce qui est possible en fonction de fenêtre fiscale ou capacité financière de l'État, le ministère a toujours continué à faire plaidoyer parce que nous sommes d'accord que les conditions ne sont pas faciles. Nous sommes d'accord que les conditions ne sont pas même normales. Quitte l'infrastructure, niveau infrastructure, quitte ses mobiliers, quitte ses outils de travail pour enseignants dans le 21e siècle, il y a un pile d'efforts qui ont été faits au niveau de l'État de manière globale, ni ministère. Donc, nous ne fermons pas les oreilles, nous. Nous avançons sur eux selon le rythme et selon la disponibilité de l'État. Ni employés ministères, ni ministres, sont en situation intenable. Et nous cherchons moyens pour que nous soyons capables, justement, de nous grain local avec tout le monde. Cette situation nous vient de joindre, de fait, qui est difficile pour le ministère. Et nous sommes parmi les premiers mondes qui continuent à faire des efforts pour nous joindre moyens pour que nous réunions nos grains locales. C'était déclaration ministre de l'Éducation nationale et de formation professionnelle, Nesmi Maniga. Comité central regroupement national travailleur haïtien dans éducation rentrée dans tête collée ak réseau national groupe sanguin résine négatif Roynag 100 yo même qui organisé jeudi 15 juin 2023 yon journée collecte 100 dans local ministère éducation nationale qui sur route Nazoron nan Port-au-Prince activité ça réalisé dans occasion journée mondiale donné 100 volonté dans objectif pour aider sauver la vie moun par rapport à quantité moun dans société a qui toujours ab victime et qui nan nécessité pour joindre sang et puis pour continuer vivre. En plus détail avec président retraite là n'a parlé de Junior Leo qui était dans micro Jacques Smith. Retraite pour initiative avec une action pour organiser collecte ça parce que nous constatons qu'il y a pile monde qui a mouru dans pays là, les dames qui a fait ces arrêts qui pas joindre sang, monde qui sur motocyclette qui a fait accident chaque jour pas joindre sang. Retraite de chute avec une action pour nous garder comment des organisation collecte dans occasion journée mondiale donné volontaire. Et c'est ça que je dis à 15, nous décidons d'organiser le collecte. Jusqu'à présent, nous-mêmes nous sentons nous satisfaits. J'en ai dit si ce dit là, parce que nous avons plus de 20 ans pas avancé. Qui message nous voulons lancer aujourd'hui là? Nous voulons lancer un message à la population. Pour comprendre l'importance de ça gagner le sang. Parce que j'en ai dit si ce dit là, celle qui débouche le sang, c'est nos frères, nos sœurs, nos amis qui nous permettent de faire le sang pour qu'il y ait le sang qui a besoin. Les gens qui disent qu'ils ont besoin de sang, c'est payer ou payer pour faire ça. Question d'abord, si tout le monde décide de faire le même comportement, à quoi nous avons besoin de faire le sang? C'est ça que nous avons fait aujourd'hui. Il y a des gens volontairement, sans force, qui décident de faire le sang, parce que nous ne forçons aucun monde à faire le sang. Sauf que nous parlons avec nous, sensibiliser, ils ont pris conscience de ça, parce qu'ils ont dit qu'ils sont capables de faire le victime, ils ont besoin de sang pour eux, ils ont même dit qu'ils ont besoin de sang aujourd'hui, nous décidons de rentrer dans le jeu de ça. Et c'est première structure syndicale dans un système éducatif là pour organiser et réaliser l'activité ça. Nous avons lancé un message à tout l'autre syndicat qui est dans un système éducatif là. Parce que dans la question, ça n'a pas rien pour avec la politique. Mettez tête ensemble pour organiser. Je dis à la société, mettez tête ensemble avec nous. Nous avons gagné un bagage plus large que ça. Mais malgré ça, nous satisfaisons quand même parce que nous jouons le monde, nous jouons nous pour faire ça. Nous demandons pour rentrer dans l'initiative ça pour être capable faciliter l'autre monde ça. Parce que je dis là, mais nous avons un professeur dans la grande danse qui est dans l'hôpital, qui a besoin d'opérer, il faut qu'on ait ça pour lui. Et ça fait, c'est une raison tout. C'est une coïncidence. Pendant qu'on a organisé les collègues là, les mêmes sont dans l'hôpital, ils ont besoin de ça. Pas grand chose dit nous, sans ça, il y a un collecteur là, il n'y a pas de sauver la ville dans l'hôpital côté là. Nous encourageons les gens pour venir faire ça. Et l'activité ça nous fait aujourd'hui, là, le pape dernier activité, c'est première. Mais nous allons rentrer dans l'autre initiative, dans peut-être dans 6 mois encore, pour organiser l'autre côté. Parce que nous retrouvons l'amour, nous avons ça à faire. Nous comptons aujourd'hui, là, pour que tout le monde qui commence à faire ça. Voilà, on t'a écouté, président Rentredla Junior Leyo. Coordonnatrice organisation Renaxan, Nancy Lene, qui se youn, initiateur activité ça, lui applaudit, Jean, activité ça, yo. A fait dans société a en même temps li félicité tout monde qui jugeait nécessaire pour bay sang qui capable sauver la vie l'autre monde qui n'a nécessité
Pour ça, plus loin, Madame Nancy Lene encourage l'autre organisation yo pour entrer dans même démarche ça, li kwè ki gen yon grande importance pour la vie moun nan société ya. Dans même occasion ça, dirigeant Renaxan profite voye mot condoléances li bay famille Danaïka Duplan qui te touye tête li nan jour qui saute passé yo au défunt, c'était membre actif Renaxan. Pour raison ça, yon journée hommage a gagnen pour organiser nan mémoire Danaïka Duplan vendredi 16 juin 2023 la caille parent défunt qui trouvait dans zone Clessine avant funérailles la cap gain pour fête samedi 17 juin 2023 en écouter coordonnatrice Renaxan Nancy Lene qui était dans micro Jacques Smith. Jodi an c'est un collègue de sang que n'a fait dans occasion journée mondiale des donneurs de sang volontaires qui célébré chaque 14 juin et rentrer avec Renaxan mettait tête ensemble pour yoter fait réaliser grande collecte ça. Et on nous dit que son collègue que nous même au niveau de Renaxan a fait dans un contexte difficile puisque gens nous connaît là nous un membre d'un comité central là qui mettait fin à ville donc nous non dynamique de préparer hommage funérailles tout ça. Mais nous rete quoi que Danaï capable d'accord que pour nous annuler un collègue parce que il pas là parce que son monde qui dermé bail sans pile qui vient fait que nous qui aimer activité à bouger jusqu'à présent son journée de collègue de sang qui a bien déroulé dans la mesure où gagner et délégation d'écoliers qui vient bail sang et me penser c'est un très bon bagage et entre rentrer de faire les essayer impliquer écoliers dans bail sang parce que jodi j'en toujours dit au niveau de l'accent pour gagner plus monde qui baisse faut qu'on nous éduquer autour de problématiques là et prendre connaissance de lui et choisir agir sur lui et ça fait me penser avec rentrer nous va rentrer dans une dynamique qui beaucoup plus centrée pour nous faire formation dans lycée surtout pour jeunes à partir de 17 ans pour commencer à gagner culture de baissant et depuis l'année dernière Renaxan rentré dans une dynamique côté que n'a pas essayé impliquer beaucoup plus d'organisations dans la question baissant permettre que à l'interne yo gen un pool de donneurs éventuellement les gros problèmes ou les puis marcher courir même j'ai tout pour me rele Renaxan ou bien rele l'autre monde yo pas ka jeune ça pour monde mais yo capable utiliser membre gen en organisation qui baissant et ne penser que c'est dans des amis que ça nous doit aller et gens nous connaissent et payant besoin entre 60 à 80 000 pochettes de sang pour y répondre à demande au niveau annuel. Je pas jamais faire 40 000 pochettes par an. Ça fait que la majorité des gens qui ont besoin de s'en payer en Paris, et ils sont manque à gagner pour payer les gens qui ont besoin de pochettes sans côté que les gens qui ont besoin de payer. C'est le côté qui produit ça, c'est le laboratoire humain. Nous connaissons un peu l'avancée qui fait au niveau médical à travers le monde. Et j'en toujours dit au niveau de l'accent de sang, c'est la limite de l'homme ou pas fabriquer ça. Seul côté pour jeunes, c'est dans le monde. Et ça fait autant de fois que de monde qui impliquent, de jeunes qui impliquent, n'a privé pas réduit le problème de disponibilité de produits sanguins à travers différentes villes dans le pays. Qui élève qui vient dans 4 journées ça? On nous dit c'est à partir de 17 ans, on est capable de faire ça. On a gagné NS1, NS, jusqu'à NS4 qui vient. C'est majoritairement nous gagnons qui sortent dans les jeunes filles. Après, c'est Meola qui a peine fini qui prend le bail. Donc, je pense que gagne tout qui vient essayer qui pas capable de bail, mais qui dégagne pile volonté. Parce que pour bail ça, il faut qu'on gagne pour pipiti l'âge 17 ans, il faut qu'on pèse 110 litres, tension artérielle ou comportement sexuel, pas qu'il y ait qui compte, pas bien c'est des jeunes, etc. Donc, nous avons besoin mieux éduquer sur cette question. Ou éventuellement dans l'autre activité de collecte avec l'entraide pour être capable de gagner qui mieux informé, qui mieux adapté à la réalité. Satisfait, jusqu'à présent, nous satisfaits et il y a un peu de monde qui peut bail. Mais jusqu'à présent, nous pensons que nous avons bien parti parce que chaque fois collecte de sang, dès que vous commencez à prendre une vingtaine de pochettes, c'est que collecte la réussite. C'était déclaration coordonnatrice Renaxan Nancy Lene. Dossier économie dans le journal Taxe 509 la Brasserie Nationale d'Haïti Brana qui gagne en tête li plusieurs équipes yo même qui présenté officiellement jeudi 15 juin 2023 Guinness Mouf qui c'est un nouveau et boisson compagnie introduit sur marché national la nouveau bière ça qui gagne là-dedans 5% alcool c'est première innovation Brana fait sous bière Guinness original là depuis plus passé 40 ans l'année depuis Maxila présent dans le pays d'Haïti. En écoute déclaration directrice marketing Brana, madame Laiki Boris, Cap di plus, dans micro Jacques Smith. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'introduire en Haïti une nouvelle.
verbière de Guinness. Guinness, c'est un marque vraiment fort et apprécié en Haïti qui existe depuis plus de 45 ans. Donc, aujourd'hui, c'est un moment extraordinaire pour nous d'introduire, après toutes ces années, finalement, un nouveau produit qui s'appelle Guinness Smooth. Donc, Guinness Smooth a tout le caractère d'une bière stout, d'une bière noire comme Guinness, mais avec une finition plus légère, crémeuse et avec une goutte de caramel. C'est vraiment, vraiment délicieux. Avec Guinness Smooth, Bran a introduit une nouvelle expérience de bière en Haïti et nous offrons une bière différente pour des consommateurs, pour des occasions spéciales, pour des hommes et pour les femmes, la femme. Donc, malgré la situation dans le pays, Brana est heureux d'offrir de nouvelles expériences à notre consommateur et d'aider nos commerçantes à développer et grandir leur business. Donc, nous allons continuer avec ça toujours. Merci en pile pour être ici. Maintenant, je passe la parole à Alexandra Bello, le brand manager de Guinness. Voilà, on t'a écouté déclaration directrice marketing Brana, Madame Laiki Bowis. Guinness Smooth, c'est un nouveau produit qui toujours fait partie famille. Boisson Guinness là qui fait avec même ingrédients de base, cependant, composition les différents et puis les gagnants. Puis bon goût par rapport à l'ancien Guinness là, selon manager de vente Brana, Madame Alexandre Bello, qui fait quoi? Nouvelle boisson ça, c'est une nouvelle expérience lancée sous marché national là. L'objectif pour satisfaire besoin consommateur compagnie sous Bopal, manager qualité compagnie Brana, Antoine Fils, Saint-Éloi, expliqué consommateur yo capable consommer nouvelle boisson si là sans aucune inquiétude parce que li respecter tout principe hygiène yo. On nous coûte plus précision à Alexandre Bello. À Antoine Fils Saint-Éloi qui était dans le micro, journaliste en taxe 509. Tout consommateur. Donc je dis à c'est avec un pile fierté que nous présentons nous Guinness Smooth, qui c'est la première innovation que Bran a porté pour nous sous Mac Guinness là. Qui ça Guinness Smooth y est? Guinness Smooth, c'est un stout beer, même genre avec Guinness, qui a même ingrédient de base, mais composition est différente. Donc, résultat final, là, ben, un petit goût chocolat caramel, qui a un petit goût sucré salé, qui est très bon. Ok? Guinness, il a 5% alcool, il est rafraîchissant, il est léger, il vient dans la même bouteille avec Guinness original là, même 341 ml retournable là, il a 5% alcool, j'aime dire là déjà, donc il prend nous un pile temps pour nous développer produit ça, parce que nous devons assurer nous de qualité li, de goût li, de saveur li, avant de lancer sur le marché là. Guinness Smooth vient dans j'aime dire déjà bouteille 341 ml là. Donc avec ça nous voulons introduire une nouvelle expérience pour consommateurs nous yo dans 4 pays. Nous fait un pile recherche pour nous développer produit et nous réaliser que un pile jeune qui chercher un produit qui puis accessible dans goût et dans saveur et aussi par rapport à l'autre produit qui vient sur marché. Donc c'est dans optique ça que nous développer Guinness Smooth pour nous bailler tout consommateur plus choix, plus diversité et pour nous satisfaire de Manio. En termes de marketing, nous avons une grosse campagne que nous avons lancée à partir de jeudi, côté que nous pouvons être capables d'assurer nous que tout le monde dans le pays a tenté parler de produits, ouais produits, pour inciter, pour tester ce marché, pour goûter, parce que nous garantissons que c'est un bon produit. Tout à l'heure, après présentation, tout journaliste qui l'a eu, tout le monde qui l'a eu, a une possibilité de goûter produit à tout, tester les sous place et tout bon autour, ça nous pense de les sous place. Encore une fois, messieurs et dames les journalistes, nous remercions pour le déplacement aujourd'hui, et nous vraiment espérons que nous allons apprécier le produit ça, et nous allons passer le micro à Antoine, qui c'est Master Brewer, qui va parler nous un peu plus de comment nous faisons produit à. Merci à tout le monde qui t'a choisi, suivre le journal TAC 509 sur la plateforme SILA. Il y a un journal qui t'est arrivé possible grâce à journaliste TAC 509 ensemble avec l'équipe technicien Lio. Pour te présenter au journal ça, c'est moi-même, Luc Albert Beaubois. Bye bye tout le monde, on a demain pour l'autre journal.